Bonjour à tous et les bienvenus pour la 19e manche de ce championnat du monde. On commence à décompter les grands prix avec toujours la lutte pour le titre qui oppose d'un côté Bottas, de l'autre Hamilton. Le pilote finlandais peut être titré à l'issue de ce week-end si jamais il fait un 26-0 face à son équipier. Pour notre part, on prend place à bord de la Red Bull de Alexander Albon qui nous embarque pour le tour du Circuit of the Americas, le quota que l'on doit à Herman Tilke. Et on attaque tout de suite avec cette première épingle qui n'est pas sans rappeler le Raidion de l'eau rouge, en un peu moins virageux, hein, en plus droit. Mais c'est tout de même un mur qui se dresse devant les pilotes. Le premier partiel avec ses enchaînements qui rappellent eux aussi une autre section, Maggots Beckett à Silverstone. Beaucoup d'appui ici, une voiture qui doit être parfaitement équilibrée, surtout avec des pneus usés pour éviter que l'arrière ne veuille passer devant trop vite. La fin du premier partiel avec cette butte assez particulière, il ne faut pas hésiter à entamer les vibreurs, ce qui là aussi peut être piégeux, les limites de la piste ne sont pas loin. On redescend vers sans doute l'attraction de ce circuit, la longue, très longue ligne droite qui va attaquer le deuxième partiel. Alors celle-ci est particulière avec le DRS à mi-chemin, on peut espérer dépasser, mais les voitures arrivent toutes quand elles se suivent à la même vitesse en bout de ligne droite, donc il faut attendre véritablement des opportunités et être à la bonne distance pour bénéficier du DRS par rapport à son adversaire. C'est vrai que c'est un endroit où on peut dépasser, vous voyez, 311 km/h pour Albon, c'est très très vite, c'est l'endroit le plus rapide du circuit. On change totalement de philosophie pour la troisième section avec ici des enchaînements qui se passent en deux ou en trois. Il faut ici beaucoup de motricité avant d'attaquer la dernière courbe à droite. Vous voyez qu'on peut facilement bloquer les roues, c'est le cas encore une fois, même avec des pneus médiums ou des pneus durs. Donc vraiment être très vigilant ici si on ne veut pas se faire piéger avec les gommes. Et enfin, le virage Verstappen, comme on l'appelle depuis quelques années, ce triple droit, trois cordes à prendre parfaitement avant de virer à gauche et retrouver la voie des stands et conclure le tour de ce circuit du quota. Donc une piste très technique, très complexe pour les réglages. Heureusement, la pluie nous épargnera pour ce week-end. Comme vous le voyez, les nuages sont de la partie pour cette séance qualificative. Heureusement, on devrait éviter les gouttes pour la Q1, voire la Q2. Pour la suite, on ne sait pas, mais ça ne nous concerne pas forcément puisqu'on sera sans doute éliminé bien avant. On s'élance pour cette séance qualificative. Et on va essayer de battre notre chrono du Japon. 21e. J'étais très limite là sur le bord de piste. Je sais pas pourquoi j'ai eu autant de facilité à braquer. Voiture très compliquée sur un circuit comme celui-ci, parce qu'en fait en relance basse vitesse, j'ai pas du tout de motricité sur le châssis. Ça c'est un gros défaut depuis le début qu'on n'est jamais réussi à corriger en dépit de nos efforts. Allez, il faudra accéder à la Q2, ce serait bien. Après la désillusion du Japon. Ça glisse malgré tout beaucoup et je souffre de beaucoup de manque de stabilité. Ouais, les sous-virages parfois sont imprévus. Que donne ce chrono? Le premier. Ouf. Voiture vraiment pas facile. Ben, on est dernier. On est dernier pour l'instant dans cette qualif. Okay, there's 2 minutes left in this session and we're in the drop zone. We need a quick lap or that's qualifying over for us. Ouais, effectivement, il va falloir rapidement remettre les pendules à l'heure. Allez, on reprend les 7 dixièmes qu'on a perdus dans le premier partiel. Trajectoire beaucoup plus propre. Ah, j'ai vraiment du mal à la faire pivoter et à récupérer la motricité. Pas facile hein, cette qualif après le Japon. J'ai perdu un petit peu foi en la voiture sur un tour.
Petit blocage. Ouf. Très limite là. Sur les tracks limites justement. Et on se met 17ème, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour aller chercher la Q3 ou la Q2. Ah bah ça, c'est dommage. Résultat de cette première séance qualificative, les Mercedes devant sans surprise, une demi-seconde derrière, on retrouve Verstappen et les Ferrari. Quant à nous, eh bien on est tout au fond avec Jack, donc on a tiré pas mal quand même de la voiture, mais on ne peut pas faire mieux pour l'instant, les Alphas restent devant. Nous sommes à Austin aujourd'hui et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce Grand Prix des États-Unis. C'est ici que Kimi Raikkonen a ravi les fans en 2018 en s'octroyant sa dernière victoire pour la Scuderia Ferrari. Vous le savez, il y a toujours des records à battre en F1, alors à quoi allons-nous avoir le droit aujourd'hui? Le splendide circuit des Amériques est composé de 10 virages à droite et de 10 virages à gauche. Sur ce circuit de 5,7 km, les pilotes pourront doubler dans les virages 1 et 12. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la vitesse moyenne est d'environ 200 km/h. Nicolas Martin m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. J'aimerais avoir votre avis sur Valtteri Bottas. Ils ont une réelle possibilité de s'emparer du titre aujourd'hui. Comment pensez-vous qu'ils vont gérer la pression? Tant qu'ils restent concentrés sur la piste et non sur la portée historique d'une victoire, ils devraient s'en sortir. C'est une course comme les autres. Il faut faire de son mieux et accepter qu'il est impossible de tout maîtriser. Avec cet état d'esprit, il n'y a aucune raison que la pression leur pose un problème. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Vettel, Charles Leclerc et Albon, Perez, Sainz, Ricciardo et Lance Stroll, Gasly, Kvyat, Lando Norris et Ocon, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, le rookie, Russell, Aitken et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start, we don't want to bog down. Première ligne 100% Mercedes pour ce Grand Prix des États-Unis. Le titre pilote se jouera peut-être ici, puisqu'on rappelle que s'il y a un écart de plus de 50 points à l'avantage de Bottas en repartant d'ici, eh bien ce sera tout simplement lui qui sera sacré champion du monde, puisqu'Hamilton n'aura plus la capacité de 52 points, pardon, n'aura plus la capacité de revenir. Alors quant à nous, eh bien on va avoir une course difficile. Alors il n'y aura pas de pluie, c'est déjà un point positif. Par contre, au niveau stratégique, eh bien, on rentre un peu dans le rang puisque les Alfa Romeo, Alfa Tauri et autres ont développé un petit peu leur voiture et on a récupéré la position qu'on avait à l'issue des 3-4 premiers Grands Prix, c'est-à-dire vraiment quasiment lanterne rouge avec Williams. Donc c'est un peu dur pour l'ego, surtout pour le développement de la voiture, mais bon, je pense que ça va revenir assez rapidement. Pour l'heure, on va essayer de finir la saison avec un maximum de points de R&D pour préparer l'année prochaine et peut-être commencer au mieux la deuxième saison de cette carrière My Team, alors qu'on n'entend plus Jeff pour la météo. Alors c'est peut-être inquiétant, on est déjà peut-être parti se tracasser d'autres choses du côté de nos ingénieurs. Bon, en tout cas, Jack est derrière, ça ne fait pas grand intérêt de le mentionner. Devant, évidemment, la lutte pour le titre sera toute l'attention de ce Grand Prix des États-Unis. En termes de stratégie, on va pouvoir rentrer de manière assez tôt et sécurisé à la fin du premier relais, puisqu'on ne va pas du tout dépasser la capacité d'usure. Je pense qu'on va rentrer après seulement 6 tours de course. Alors ça peut paraître tôt bien sûr, mais on va quand même avoir des pneus médiums qui seront bien mieux, donc autant en profiter et éviter de rouler avec des pneus trop usés, surtout qu'ici on peut très vite surchauffer et perdre du temps, surtout que le soleil est là et les gommes pourraient vraiment lâcher assez tôt si on ne gère pas ça très très bien. Donc on va s'affairer à gérer notre stratégie au mieux. Le tour de formation se termine et on va retrouver notre position sur la grille de départ en espérant peut-être déjà glaner quelques positions dans l'épingle ou ça peut aussi être le carnage. Toutes les voitures sont placées sur la grille. C'est parti pour ce Grand Prix des États-Unis.
Très bon envol de notre côté. On profite d'un mauvais départ de Raikkonen qui se loupe. Oh, et on parvient à se mettre à la hauteur de pas mal de voitures. On va être prudent sur l'AlphaTauri. Excellent envol. On est 12e juste derrière Lance Stroll qu'on va laisser repasser un instant devant nous. On a bien fait d'utiliser un carburant plus riche et l'ERS pour nous aider à nous extraire. On a désormais une belle 12e place. On a un peu volé le départ, je pense, à l'extérieur, mais ça fait partie du jeu. On était dans les track limits et surtout Raikkonen et les As n'ont pas pris l'envol de l'année. On va voir si on peut tenir le rythme ou si très très vite Lando Norris reviendra sur nos talons, ce qui est déjà le cas de la part du pilote britannique qui ne perd pas un instant et qui va nous attaquer à l'extérieur. Les encouragements de Jeff, on bloque légèrement le pilote britannique derrière. C'est compliqué pour Jack Aitken qui a récupéré le 22e rang du Grand Prix. Premier départ correct, la McLaren revient. Elle va essayer de nous passer. Et oui, pas de motricité, pas le choix. On doit laisser passer Lando. Il y en a une voiture réglée avec un peu plus d'appui. On va voir si ça peut nous aider quand les pneus seront un peu plus usés. Et c'est Hamilton qui a pris le meilleur sur Bottas. C'est intéressant pour la suite du championnat. Obligation de gagner pour le Britannique. L'AlphaTauri de Gviat derrière n'est pas loin. Alors, premier tour couvert pour nous sans difficulté, pas de contact, pas de mauvaise surprise. Très généreux dans les S du premier partiel, mais on respecte les limites, donc pas de tracas à ce niveau-là. Même un peu plus incisif que les autres. On tartine aussi un petit peu. Pas de DRS. On se protège pour Lando. Oh, il va même aller attaquer la Racing Point devant lui. On l'a un petit peu changé de trajectoire là. L'ami Lando, ça va pas passer. Stroll résiste. Est-ce que nous on peut s'infiltrer? Oui. Et on reprend l'avantage par rapport à Lando Norris. C'est pas mal. Alors, peut-on aller chercher Lance et se rapprocher des points? Comme quoi, le setup fonctionne bien avec les pneus tendres. Mais j'ai peur de trop les consommer, donc je veux vraiment pas être abusif dans mes pneus. Vous voyez, déjà 13% en deux tours. Passe en overtake. Voilà, tout le monde va avoir le DRS, donc c'est pour le premier que ça va être difficile. Là, ça neutralise tout le monde dans le peloton, donc ça ne sert à rien. Mon aileron qui a frôlé le pneu de la Racing Point. On va insister. Pas ici. Mais on est dans le rythme. C'est une bonne surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que la voiture fonctionne sous une telle chaleur et sur une piste dans cette configuration avec plus d'appui. Mais ça a l'air de faire le travail plus que ce que j'espérais. En tout cas, avec les pneus tendres, on verra avec les médiums si ça change un peu le comportement de l'auto. Un peu de sous-virage, bien sûr, mais ça réduit grandement par rapport à la qualification. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Et on nous appellera bientôt pour les médiums. On se montre dans les rétroviseurs du pilote canadien. Et derrière, Lando n'est pas si loin que ça. On freine très très tard, on manque de percuter la voiture de Gasly. Stroll aussi. Stroll qui est bloqué. Pierre qui nous aide. Pierre qui va nous permettre peut-être de passer la Racing Point. On n'est pas loin
d'y laisser un bout d'aileron. On est à l'extérieur sur Lance Stroll et on va passer. On s'empare de la 11e place derrière le Français sur l'AlphaTauri. Très bon début de course pour nous, c'était inespéré. Et on se retrouve quasiment dans le top 10. Bien aidé par des Ferrari en grande difficulté qui reculent tout le peloton. De la tête de course, je crois qu'à part Verstappen, il n'y a pas grand monde qui a dû passer. Traffic ahead, stay alert. On nous annonce du trafic devant. C'est vrai que oui, il y a une Racing Point qui nous a causé problème. L'autre est un peu plus haut, mais vraiment, ce sont les Ferrari qui ont des difficultés. En tout cas, une Red Bull est un peu en retrait aussi. Et ça crée la scission dans le peloton, ce qui permet qu'on peut avoir le rythme, parce que je pense que au global, on peut pas avoir ce rythme-là par rapport au milieu du peloton, par rapport à ce qu'on a vécu lors du dernier Grand Prix il y a quelques jours au Japon. On est très coulé, très précautionné aussi sur l'économie. Là, j'ai pas besoin d'aller chercher les tours, donc je roule avec une petite vitesse en plus aussi dans les secteurs sinueux. Je laisse couler la voiture. Un undercut qui pourra avoir son importance pour la suite de la course. Pas d'arrêt à la fin de ce cinquième tour. Par contre, une attaque pour nous. Peut-être à venir sur Pierre Gasly. Le Français en difficulté. On passe l'AlphaTauri sans aucun problème. Et chers amis, on est P10. Et ça continue. Hein. Ça continue. Les voitures devant ont des pneus qui sont vraiment usés. Ils ont dû courir la Q2 avec ces gommes. Rappelez-vous, nous on n'y est pas en Q2, on a des gommes neuves. Donc on va peut-être gagner un ou deux tours. Et c'est un circuit qui est très contraignant pour les gommes. Les températures et les freins. Donc cette petite différence d'un tour ou deux peut créer ce gap. Mais pas autant que ça. Là on est victime, il n'y a pas d'autre mot, du côté de la tête du peloton, de cette Red Bull qui est en grande difficulté. Alors est-ce un problème mécanique? Est-ce un souci aéro? À mon avis, on le verra rapidement. Alors, au niveau de l'usure de nos gommes, on va être à 30%. Oui, ça va être un arrêt très très tôt hein, dans la course, mais c'est le jeu. Oh, ça attaque devant avec le DRS. La Red Bull qui est en train de crouler. On va gagner une place hein, si ça continue. Nous aussi, on va remonter. C'est Albon qui est en train de souffrir le martyr dans le peloton. On est quasiment au cap de la mi-course. Alors nous, il faudrait qu'on puisse passer notre voiture avant d'aller chercher Albon. On plonge. Hop, et on touche la voiture de Ricardo. On lui a touché un bout d'aileron. Nous, on n'a rien, mais on a plongé. Alors, c'était peut-être un petit peu agressif, je vous le concède, mais il faut faire ce genre de manœuvre. Et Ricardo, maintenant, est en difficulté. Alors, à vos avis dans les commentaires, mais personnellement, avec Ricardo, je ne vais pas avoir peur de donner le coup de roue. La McLaren de Carlos Sainz dans la pitlane. On respecte le 80 km/h. Et nous allons récupérer nos pneus médiums. On n'est pas les seuls à rentrer. Il y a une Ferrari qui a fait aussi un bon arrêt. Et Verstappen également passé par la pit lane. Et on ne sera pas gêné, hein. Il n'y a vraiment pas grand monde, mais on va faire un double arrêt chez Yarrows. Oh, j'ai failli repartir in extremis devant la McLaren, c'est dommage. Allez, c'est parti. Oh, les pneus sont froids, ça c'est certain. Allez, on remonte dans la course. Et Jack Aitken qui n'est pas rentré. C'était une McLaren. Je pensais qu'il y avait un double arrêt, mais non. C'est le problème des pastilles noires et orange qu'on aurait pu avoir. Moi, je pensais être noir sur la carte avec les couleurs de l'équipe, mais non. Comme le orange prédomine, nous sommes en orange. Dommage qu'on ne puisse pas choisir d'ailleurs la teinte de ce petit point. Peut-être pour l'année prochaine. Bon, j'ai des gros problèmes de température. Pour l'instant, il faut mettre ses gommes vraiment dans la bonne fenêtre. On a consommé pas mal aussi hein, au niveau carburant. Alors maintenant il faut que cet undercut fonctionne. Mais j'avoue que sans DRS, difficile de l'envisager. Et là on est en train de cramer les gommes à l'avant. Il va falloir retrouver un rythme de pilotage plus traditionnel. Alors il y a eu un arrêt pour Verstappen, un pour Aitken peut-être à la fin de ce tour. En tout cas pour tous les pilotes en pneus tendres. On a souffert. Et nous avons une Racing Point qui va ressortir sous notre nez. C'est Sergio Perez. Et il va se mettre derrière la McLaren. Donc on va avoir des pneus plus usés, mais pour l'instant qui sont plus chauds. Et on a vu à quel point il était difficile de trouver la bonne fenêtre lors du premier tour après être passé dans les stands. Donc là on a vraiment une voiture qui est beaucoup plus facile que le Mexicain. Chez qui on sera d'ailleurs bientôt.
circuit qui devrait aussi pas mal convenir à notre Arrows. Drapeau jaune. Alors est-ce que la Red Bull a finalement rendu l'âme? Est-ce que la Red Bull a rendu l'âme? Non. The safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Safety car pour la fin du Grand Prix. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Et on est proche des points. Alors je pensais un instant rentrer en me disant je vais monter détendre, on a de la place, mais non non. Regardez le peloton qu'on a derrière nous. Alors là, tout le monde est en médium, donc on ne sera pas gêné, mais safety car déployé. Alors si des pilotes n'étaient pas rentrés dans la pit lane, c'est jackpot hein, pour Mercedes peut-être devant. Mais très très important moment du Grand Prix, voiture de sécurité pour évacuer la voiture de Raikkonen qui a eu un souci technique. Je pensais que c'était peut-être Albon. Alors il y a des voitures dans les stands évidemment, on n'était pas rentrés. On n'était pas rentrés chez Williams notamment. Chez Renault. Et nous on va récupérer toutes ces positions sans problème. Et on est 9ème pour Pierre Gasly. Donc on est juste devant le Français. Donc on n'a pas perdu de place dans la bataille. Bien au contraire, on a gagné une position. Par contre derrière, on va avoir des pilotes qui vont être avec des médiums neufs. Et peut-être 5 tours de course. Ça s'annonce grandiose. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. On va remettre tout ça en température pour la relance qui va avoir lieu à la fin de ce 10e tour du Grand Prix des États-Unis. On va essayer d'avoir la meilleure relance possible. Et la voiture dans les meilleures conditions. Le pace car qui va s'écarter. Qui d'Hamilton ou de Bottas, le titre en dépend. Drapeau vert. C'est reparti et ça glisse beaucoup. Et la relance immédiate. On n'a pas pu en profiter par rapport à Perez. Au contraire, on a du mal avec les pneus. La voiture qui est moins à son aise. Et oui, on a des gommes plus fraîches devant et derrière. Surtout derrière d'ailleurs. Gasly qui a 2 tours de moins que nous dans ses gommes. Ça fait la différence. Le reste en mélange riche pour la relance. Ça nous aidera à compenser. Ouais, ça nous aidera à compenser le manque... de DRS. Ah, j'ai beaucoup de mal sur les freins, hein, les amis. Vous voyez que la voiture se balade pas mal, donc pas de DRS avant 2 tours. On reste avec un mélange un peu plus riche. Pour la suite des hostilités, une Ferrari a l'air d'être en difficulté. Je pensais à AlphaTauri justement. Pour l'instant, on marque plus de points qu'AlphaTauri, mais c'est pas tous les jours, donc on va essayer de rester bien devant Pierre. Malheureusement, pour nous, notre rival au duel, hein, au championnat, c'est bien Sainz. Alors, je sais pas pourquoi on avait pris Sainz, mais c'est vrai que, sincèrement, il n'y avait aucun pilote qu'on était capable de battre. C'était les deux pilotes McLaren ou les deux pilotes Racing Point. Je vous avoue que là, j'avais pas trop compris le jeu sur ce coup-là. 12e tour de course. Et un petit peu de nuages. Ça va refroidir peut-être un petit peu les esprits et les gommes. Allez, il faut trouver cette motricité dans nos dernières ressources.
on est capable d'aller chercher peut-être encore mieux que cet excellent résultat. Vraiment à l'aise dans le dernier segment, ce qui n'a pas été le cas tout le Grand Prix. On va essayer d'en profiter. Peut-être pour avoir une meilleure relance. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Le DRS disponible, ça ne va pas arranger les choses pour Carlos Sainz. Qu'on veut absolument aller battre. On n'a pas abdiqué non plus dans ce duel pour le championnat du monde. On y croit. We've only got two laps of fuel left. Deux tours de carburant, ça fera l'affaire. Allez. Là, on a tout. La McLaren n'a rien. Et en plus, il bloque ses roues, notre ami Carlos. Il peut aller faire une sixième place hein, si Sainz continue à avoir autant de difficultés avec sa voiture. On doit lever un petit peu dans la grande courbe. On repère un petit peu le feeling de la voiture. This is your final lap. Final lap of the race. Dernier tour très important. Peut-on faire mieux que cette 8ème position déjà exceptionnelle? Tout dépend de Carlos Sainz et de sa stratégie. A-t-il les ressources nécessaires sous le capot pour se défendre? Où va-t-on avec la Racing Point remettre les choses dans l'ordre? On ne souffre pas trop de différence avec les pneus. We're not gonna be able to run in this engine. On a bloqué. Ça, c'est pas bon. Oh, ça, c'est pas bon ce qu'on vient de faire. On est trop loin. Les pneus sont en train de flancher par rapport à la Racing Point. Et on va pas pouvoir aller chercher le Mexicain, c'est dommage. À moins qu'il essaie d'attaquer Sainz et qu'il se gêne. On n'aura pas notre mot à dire pour mieux que cette 8ème place. Et on bloque. Hein. Qu'est-ce qu'on bloque les roues? C'est effarant et effrayant aussi. Même en reculant un maximum la balance. Ouais, je suis en train de perdre mes pneus, hein, alors que j'avais une marge soi-disant plus importante. Mais en fait, je suis pas en train de les perdre, ils sont en train de surchauffer tout simplement. Alerte carburant. Et Hamilton gagne la course et recule l'échéance une nouvelle fois. Bottas n'est toujours pas champion du monde. Quant à nous, eh bien, on termine à une magnifique 8ème position dans ce Grand Prix des États-Unis. Belle course pour l'équipe. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Et on est driver of 2D pour la cause. Pas mal. Après cette victoire fulgurante, nous avons un nouveau champion du monde. Il a été exemplaire cette saison et il mérite amplement les applaudissements de la foule. D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations, mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer.
Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien. Ouf, on a passé la ligne d'arrivée de ce Grand Prix des États-Unis comme Hamilton en tête avec donc des points grappillés à Bottas. Hein, c'est pas fait encore hein, pour Valtteri, mais normalement ce sera bon pour la prochaine. Ça fait 3 Grands Prix que je dis ça, mais tout de même. Sainz qui fait une belle performance aussi. Bon, nous on remonte de la 19e place, je sais pas comment on a fait, mais en tout cas on avait la bagnole du siècle aujourd'hui. Un peu moins pour Jack Aitken, et alors les soucis pour Ricciardo et surtout l'abandon de Kimi Raikkonen. Si on regarde le classement, Bottas est toujours leader mais avec 42 points, ce qui veut dire qu'il reste actuellement eh bien, le Grand Prix du Mexique, le Grand Prix du Brésil et d'Abu Dhabi. Donc il y a encore techniquement 78 points à prendre, donc il faudrait qu'il y ait encore moins de 52 points d'écart entre Bottas et Hamilton pour que Bottas soit champion. Vous voyez, ou qu'Hamilton continue. Donc il faut plus ou moins de 52 points. Vous ferez des mathématiques chez vous, c'est très facile, vous verrez. Nous, eh bien, on est 14e. Par contre, on est en train de se battre, et ça, je m'en suis pas rendu compte, avec Daniil Kvyat pour la 13e place du classement. Bon, Ocon, c'est foutu, hein, on n'ira pas le chercher. Mais par contre, Daniil Kvyat, 3 points, c'est pas infaisable. Donc peut-être la 13e place à l'issue de cette saison. Au niveau du classement constructeur, aucun changement. Mercedes toujours titré, hein, on va pas leur enlever le titre tout de même. Mais au niveau des écarts, AlphaTauri reprend l'avantage un petit peu hein, par rapport à nous. Mais pour le reste, eh bien, tout reste identique. Alors, chaque chose en son temps après ce Grand Prix. On a encore un peu de R&D en cours, mais on a eu du fail. Hein, donc on va relancer un petit peu les nouveautés. Parce qu'on a vraiment besoin de remonter. 500 points qui vont être perdus dans un sens ici. Alors en termes d'aéro, ici on a toujours une évolution en cours. On va continuer à faire évoluer le châssis si on en a les moyens. Parce que ça m'a l'air d'être bien cher tout ça. Ah ouais, 1115, ouais, bah du coup on va pas faire évoluer le châssis. Chaîne motrice, est-ce qu'on a encore quelque chose d'envisageable? Oui, bah écoutez, on va continuer à développer malgré tout. Ça coûte pas si cher que ça. 675 points, donc voilà pour l'état de la R&D. Comme à chaque fois, on va essayer peut-être de... Non, on peut rien faire. J'avais dit on peut essayer de sauver pour l'année prochaine, mais pas encore. Donc on continue avec pas mal de choses qui peuvent changer. Et on va soutenir l'équipe du côté de la chaîne motrice pour la suite. Au niveau des activités, on a 2 jours. Alors, est-ce qu'on peut entraîner le deuxième pilote? Est-ce qu'on peut faire un team building sur la longévité ou un événement sponsor? On va soutenir notre deuxième pilote, ce serait pas mal. Et on va accélérer le temps jusqu'au Grand Prix du Mexique, une petite semaine, hein, c'est un back-to-back. Et bah voilà. Et donc avant de passer au week-end de course, on a une dernière chose à régler. On a un nouveau sponsor, hein. Je sais pas si vous l'avez vu sur le châssis de la voiture, c'est peut-être dépenser un petit peu d'argent. Délai de fabrication et contrôle de qualité, on va réduire de 10% les risques d'échec à ce niveau-ci, c'est important tout de même. Le contrôle qualité en aéro aussi, ça va être peut-être intéressant, ou le délai de fabrication. Je sais pas si... production des points de ressources, c'est vrai que les productions des points de ressources sont là dans pas mal de choses. Relation avec les sponsors, ça va être compliqué aussi d'améliorer. Au niveau du simulateur, on peut faire quelque chose aussi, et les stats d'expérience de votre deuxième pilote seront modérément améliorés. Je sais pas si ça vaut la peine, mais... c'est 3 millions tout de même, on va attendre un petit peu pour l'instant, on va essayer d'améliorer peut-être certaines choses. Le délai de fabrication réduit de 20% aussi pour le moteur ou pour le châssis. Contrôle qualité, oui, on va essayer de faire ça aussi. Donc on va essayer de fiabiliser un petit peu tout ça au niveau du châssis et de la chaîne motrice. C'est vrai que durabilité, on a déjà les 4 éléments qui sont sélectionnés. On va essayer de faire une garantie de suivi pour tout ça. Dernier point aussi au niveau des contrats avec notre pilote et les avantages. On n'a plus rien à financer pour l'instant, mais on va essayer aussi d'augmenter les usures, etc., etc. Donc ça aussi, on y veillera d'ici la fin de saison pour mieux se préparer pour l'année prochaine. Au niveau du contrat, c'est vrai qu'on est monté à 72 de performance pour Jack Aitken. Voilà, pour les petits sous-sous. Donc désormais, Suzhou, meilleur tour dans n'importe quelle séance d'essai libre. Alors généralement, en essai libre, il y a une ou deux séances où j'arrive à me mettre très très bien. Donc on va essayer de faire ça.
avec quand même un hebdomadaire de 220K et l'objectif 390, donc ça se prend pour les financements de l'équipe. Voilà pour ce Grand Prix. Alors évidemment, on ne peut pas renouveler notre équipier, donc on va attendre un peu que les semaines se passent aussi. Mais bon, on a encore 70 jours de contrat, donc calmons-nous. L'usure des pièces est aussi sous contrôle. On se donne rendez-vous au Mexique pour la 20e manche du championnat. Il y aura encore deux courses après celle-là et on aura déjà terminé la première saison de My Team. On n'en est pas là, bien sûr. On va essayer encore de faire quelques coups d'éclat. Je vous donne rendez-vous très vite pour le Grand Prix de Mexico. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et surtout à commenter si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Rendez-vous là-bas au circuit Hermanos Rodríguez. Salut !